Salut tout le monde, c'est Mathieu et on se retrouve avec un pote, Nathan. Ouais. Donc là, on est à Biscarros, donc c'est à côté de Mimizan qui est à côté de Parentis. En gros, c'est une heure de Bordeaux. Ouais, une heure de Bordeaux. Et on est parti un petit peu là en forêt pour faire une petite vidéo. Je sais pas, j'avais envie de tourner aujourd'hui. On est parti avec le gros matos là, j'ai 1 kg, 2, 3, même 4 kg sur l'épaule, ça commence à faire beaucoup, mais tranquille, ça va, ça se passe. Puis voilà, on va avancer et dès qu'on est arrivé au spot, je ferai des plans assez stylés, comme d'hab quoi. Hein, des fois pour vous, faut faire de la prise de risque un peu. Super prise de risque. Hop. Donc là, explique-nous un petit peu. On va te mettre devant parce que comme ça, on t'entendra mieux. Donc là, tu m'expliques un peu où on va. Bah, alors en fait, ici, c'est le lac Latécoère. Donc en gros, c'est un lac qui fait, je crois, Parentis, Biscarros et je veux pas dire de conneries, mais Ichoux. Ça à vérifier. Donc on mettra peut-être une carte au montage. Ouais, ouais, tranquille. Et en fait, c'est un lac qui est un peu perdu, si j'ose dire, qui a servi de base aéronautique pour les hydravions, entre autres. Sachant que Latécoère ont été les premiers à faire poser des hydravions sur les lacs de Biscarros. Ouais. Donc maintenant, je vais peut-être vous parler un peu de là où je suis, ce que je fais ici. Je suis ici pour le lycée parce que voilà, j'ai quitté mon ancien lycée et je suis venu ici pour des raisons personnelles. Et je me rends compte qu'en fait, il y a plein de trucs à tourner intéressants. Il y a des paysages qui sont vraiment, vraiment magnifiques. Et voilà, donc j'avais quelques petites choses à vous dire. En fait, je vais commencer simplement par vous remercier pour la vidéo qui est sortie. On a fait 47 abonnés et 200 vues en une journée pour une nouvelle chaîne avec pas trop de publicité. C'est vrai que c'est quand même assez cool de votre part de l'engouement que vous donnez un petit peu pour cette nouvelle chaîne. Et voilà, ça va être vraiment des vlogs comme ça avec des putains de beaux paysages derrière. Là, vous allez voir après dans la séquence suivante, c'est magnifique. C'est magnifique et voilà, c'est ça que j'ai envie de vous faire partager, le voyage, visiter, partir un peu, bouger et... vous faire découvrir des endroits que vous connaissez peut-être pas, comme là c'est impossible que vous connaissiez, même si vous êtes de Biscarros, peut-être que vous connaissez pas. Et voilà, le but c'est vraiment de se retrouver, de vous retrouver aussi quand vous voyez les vidéos, de vous donner envie d'aller voir ailleurs, de vous donner envie de bouger, et surtout de vous faire partager mon expérience et la chance que j'ai d'avoir du matériel, d'avoir des voyages, d'avoir un peu tout, pour vous justement, pour que vous puissiez plus tard peut-être envisager de venir faire un tour là où je suis, où là je suis passé. C'est vrai que ça peut être cool. Et voilà, moi ça me fait plaisir de vous faire partager ça tout simplement. Voilà ça que j'avais envie de vous dire. Cette petite séquence émotion. Voilà les amis, hein, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas, ça m'a fait bien plaisir de vous la tourner. Et voilà, j'espère que
que vous allez kiffer les prochaines vidéos. Et que voilà. Donc moi je vous dis ciao ciao tout le monde et à la prochaine.